ça roule. Ouais. Putain, je sais mais ne... Ouais, là, ça marche. Les pères, on n'a pas besoin. Les pères, s'il vous plaît. En fait, chacun bosse. Ceux qui veulent percher, perchent. Pas de commentaires. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier pour dire non à cette réforme injuste. Si on veut être entendu, et le gouvernement devrait réfléchir, avec le monde que nous avons mis le 19, on en mettra encore plus le 31, donc il doit retirer sa réforme. Donc on a des Français qui sont opposés, qui sont encore plus opposés cette fois-ci, et donc tout concourt à faire en sorte que la mobilisation de mardi prochain soit une mobilisation importante, à peu près au moins aussi importante que celle que l'on a connue dans le cadre de la première manifestation et mouvement de grève organisé par les différentes confédérations syndicales. On va essayer de coordonner les prises de parole et pas crier en même temps. Il y a les deux aspects, c'est que d'un côté, on est face à des Français qui sont opposés à la réforme, on est face à des Français qui vont considérer que cette réforme est injuste et qui, dans un même élan, vont considérer que lorsqu'ils imaginent le jeu des différents acteurs, Emmanuel Macron fera tout pour que cette réforme passe au Parlement. Dans une période qui suit ce qui s'appelle le « quoi qu'il en coûte », c'est-à-dire dans la période Covid, l'idée en fait que les déficits publics pouvaient être lâchés au nom de l'intérêt général a fait ou a donné le sentiment qu'à l'heure actuelle, la situation n'apparaissait pas comme étant suffisamment grave concernant le système de retraite par répartition pour agir uniquement d'un point de vue économique et qu'il faudrait tout faire pour sauvegarder aujourd'hui notre système de retraite par répartition et que ce tout faire passerait par le changement du départ de l'âge légal à la retraite. Culturel en gros dans l'espace public.